de vaches laitières est présent sur le territoire limousin. Le lait, récolté au pied des vaches, est directement stocké dans un tank, puis refroidi. Plusieurs fois par semaine, un camion collecteur passe et achemine la production vers la laiterie afin de le transformer ou de le pasteuriser. La qualité du lait détermine son prix. Avec l'augmentation des troupeaux, les éleveurs sont amenés à faire appel à des salariés. 3 ans après la création du GAEC, on a embauché quelqu'un en production laitière pour pouvoir nous suppléer à la traite et que la personne ait un travail fixe tous les jours à heure régulière. Alors moi, ma journée type, au final, en principe, moi je viens plutôt pour la traite du soir. Donc j'arrive le soir vers 5h, je commence par alimenter les génisses, ensuite je commence à préparer ma salle de traite, je fais rentrer toutes les vaches en aire d'attente et après on commence à traire, donc après on a commencé pour 2 heures de traite. Donc, voilà. Les principales missions qui attendent les salariés en élevage laitier sont donc la traite 2 fois par jour, le matin et le soir, l'alimentation des animaux, les soins et la reproduction, puisque c'est le fait d'avoir un veau qui permet à la vache d'avoir du lait, et donc d'être traite. Vous trouverez en Limousin toutes les formations pour intégrer cette filière. CAP, brevet ou bac professionnel, BTS, licence professionnelle. L'employeur attend de vous des compétences techniques, d'avoir un certain feeling avec les animaux, d'être patient et méthodique, et enfin d'être soigné, car malgré les apparences, cette production demande beaucoup d'hygiène. La réalité, alors déjà il faut pas qu'il ait peur de se salir parce qu'au final on a tout le temps les mains sur les vaches et donc on est souvent sale au final. Il faut pas qu'il ait peur des odeurs pour les mêmes raisons au final. Et après il faut pas qu'il ait peur des horaires. Voilà. Après les inconvénients, les avantages, il va les voir tout seul, c'est que c'est génial, c'est jamais 2 jours pareil. Les animaux nous apportent beaucoup, tous les jours on en apprend. Moi je sais que tous les jours j'apprends des choses sur les vaches. Au final ça va être aussi bien de la généalogie, savoir telle vache est la fille de qui, ou et qui est sa mère, ou combien elle a eu de veaux au final. Mais sinon ça va être jamais pareil, quoi. On va en apprendre tous les jours. Voilà. Aujourd'hui l'élevage laitier se modernise de plus en plus, grâce notamment aux robots de traite. Cet outil, piloté par l'informatique, facilite le travail des éleveurs et permet une gestion précise de la traite dans le but de produire toujours le meilleur lait possible. Pour tout renseignement sur les carrières professionnelles de la filière bovin-lait, contactez l'AREFA, arefa-limousin@anefa.org.